Ah, ça y est. Voilà, Ok. c'est parfait. Alors, bienvenue, bonsoir à Bonsoir. tous. Mon nom est François Alvis, je suis avec Lou Melendez-Ris. Oui. Et ce soir, on est là pour vous parler du déclin cognitif. Je vous remercie d'avance pour votre temps et pour votre intérêt. Bonsoir, Mélanie. Je vois dans la liste des participants des noms connus. Bonsoir, Basse. Bonsoir, Paul. Voilà, des gens qu'on connaît, plein d'inconnus aussi, c'est très bien. Alors, je vais vous donner un petit peu les consignes voilà, comment ça va se dérouler. On en a pour à peu près, on a plus de 60 slides, donc on en a pour 1 heure et demie à peu près. Si c'est trop long ou si vous devez partir, le tout est enregistré. Ça va être disponible après la visioconférence, ça va être disponible sur la page Facebook assez directement, d'ici 2-3 jours sur la page YouTube. Pour la soirée, en fait, si vous avez des questions, vous voyez en bas à droite, vous avez un bouton de texte où vous pouvez taper vos questions. Voilà, Lou va vous montrer. Donc, l'idée, c'est que si vous avez des questions, posez-les au fur et à mesure. Nous, on va faire des pauses et puis on va y répondre au bon moment. Voilà, moi, je crois qu'on est à 18h05, on a 5 minutes. Les retardataires peuvent toujours nous rejoindre. Je pense que, voilà, on est aussi en live sur Facebook. Peut-être tu Oui. peux copier le lien si jamais, voilà, si jamais vous avez un problème technique, vous pouvez sinon nous joindre sur la page Facebook où la vidéo est transmise en temps réel aussi. Par contre, les questions, on les va les suivre sur Facebook, donc n'hésitez pas à les poser ici plutôt. Voilà, je viens de mettre le lien du live Facebook dans le chat. Voilà. Ok, alors pourquoi parler du déclin cognitif? Ben, tout simplement parce que c'est un phénomène malheureusement où on est confronté assez régulièrement puisque notre travail consiste à travailler au niveau du cerveau. Et voilà, l'intérêt, c'est vaut mieux prévenir que guérir. Alors, qui on est, pourquoi est-ce qu'on en parle? Ben, nous sommes maintenant depuis 6 mois, nous sommes 4 personnes. Donc moi qui ai créé, François Alvis, qui ai créé le Neurofeedback Luxembourg il y a plus de 10 ans. Il y a Mélanie Schmalz qui m'a rejoint il y a à peu près 3, bientôt 4 ans maintenant, c'est bientôt 5, là, presque. Voilà. Et Lou qui a fait son stage de fin d'études en janvier, qui est maintenant opérationnel depuis le mois de septembre. C'est 4 ans, merci. 4 ans, oui. Merci Mélanie. Le temps passe vite. Et demi, ok. Alors, et Patrick D'accord. qui est là derrière les manettes, donc c'est pas lui que vous allez voir pendant les séances. Par contre, c'est lui qui gère la société et qui est derrière toutes les pas mal de choses qu'on met en place actuellement, les automatisations, la communication et autres. On est un peu flou. Oui, c'est parce que je bouge en fait. C'est, en fait, la caméra elle fait Ouais, je fais le les show. points. Je suppose que si vous êtes encore là, c'est que vous nous entendez bien. Jusque-là, ça a l'air d'aller. Alors, où est-ce que nous sommes situés? Nous sommes à Luxembourgville, proche de la gare, en fait. Ça s'appelle le Centre Scolaire Liberté, c'est ce qu'on appelle un coworking, où il y a beaucoup de sociétés et de freelance qui travaillent. C'est un endroit qui est accessible pour tous. Il vaut mieux venir en transport public puisque les places de parking, il n'y en a pas beaucoup, sauf des places pour handicapés dans la rue, je pense qu'il y en a 6. Donc là, il y a de la place. Peut-être une autre particularité que les gens n'ont pas l'habitude, c'est que nous ne sommes pas joignables par téléphone. On n'a pas de secrétaire. Donc, Non. par contre, nous sommes toujours joignables assez vite par email ou on a ce qu'on appelle les téléconsultations gratuites où vous pouvez prendre rendez-vous pour poser des questions plus spécifiques. J'espère qu'il n'y en aura plus beaucoup les questions, parce qu'après cette présentation, ce sera Tout plus sera clair. clair. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On passe notre journée à la neurologie et de la neurologie. C'est-à-dire que vraiment, on analyse des cerveaux. Je pense que là, on va passer des 2000 cerveaux analysés et des 1 500 cerveaux
entraîner. On s'occupe du système nerveux, de la neuromodulation, on va beaucoup en parler, surtout de la photobiomodulation. Et puis, tout le volet de neuropsychologie, avec tout ce qui est mesure des performances du cerveau, avec des questionnaires et des tests cognitifs. Qui vient nous voir? À qui est-ce qu'on s'adresse? Il y a d'une partie tout ce qui est plutôt les enfants, les troubles des apprentissages, le développement, le TDA, le trouble de l'attention, mais tout ce qui est dissocié, y compris aussi dans le spectre autistique ou les hauts potentiels, l'hypersensibilité. Voilà, tout ce qu'on met, nous on appelle ça les zèbres. Voilà, moi-même étant un zèbre, je sais de quoi je parle. Ton t-shirt. Voilà, d'ailleurs j'ai mis le zèbre. Au niveau des adultes, on a plutôt affaire avec tout ce qui est les maladies de la notre civilisation, c'est-à-dire le stress, les troubles émotionnels, dépression, sommeil et autres. Et puis, on a ce que nous on appelle des instabilités et des altérations, c'est-à-dire c'est des choses plutôt dans le domaine des épilepsies, des migraines, des maladies neurodégénératives, là, c'est un peu le sujet de ce soir, où on est capable d'aider des gens en plus ou en dehors des voies médicamenteuses, mais après on a aussi. C'est parce que je bouge, désolé, c'est flou. Ça va mieux apparemment maintenant. Okay. Je ne sais pas si c'est bon pour vous. Moi, je bouge trop. Voilà, je vais essayer de moins bouger. Après, au niveau de ce qui est plutôt pour les adultes, les performances et l'optimisation, c'est pour les gens qui sont soit en surménage ou en sous-ménage, ou qui veulent tout simplement mesurer et augmenter leur performance mentale ou sportive, voilà, ou une meilleure résistance au stress. Donc, on a vraiment une offre de gamme très large, de petit âge aux personnes âgées. Le livre qui nous a un peu inspiré et qui nous inspire encore, c'est un livre qui a un titre choc quand même, et qui est un best-seller, ça s'appelle « La fin d'Alzheimer », c'est Dale Bredesen, qui montre dans ce livre qui est abordable pour tout le monde, que Alzheimer 1 peut être détecté très vite, très tôt, que c'est possible de le freiner, lui, encore plus loin d'être réversible, mais surtout l'information importante, c'est que c'est surtout dû, et ça c'est l'information vraiment pour moi essentielle, il y a une multitude de facteurs qui jouent, mais et ça ne suffit pas de faire juste une chose et d'espérer que tout va aller mieux. Si vous entendez un bruit, c'est que la femme de ménage passe l'aspirateur dans le couloir, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Est-ce que c'est possible d'avoir des slides de la présentation? Non, mais vous aurez la vidéo. Sur ouais. YouTube, par exemple, elle sera en... La vidéo. Voilà. Et donc, ce que Dale Bredesen a mis au point, c'est tout un protocole qui combine beaucoup de choses, y compris l'analyse génétique, des compléments alimentaires. Il n'utilise pas encore le neurofeedback ou la photobiomodulation, malgré qu'il ait déjà beaucoup communiqué dessus aussi. Mais pour moi, c'est vraiment un expert et qui donne beaucoup d'espoir dans ce livre, en tout cas. Voilà. Alors, maintenant, je vais laisser parler Lou, parce que c'est elle qui a préparé cette partie-là. Ok, bah merci François. Du coup, juste par rapport à quelques chiffres sur les démences, alors ces chiffres-là concernent les démences en général, pas que la maladie d'Alzheimer. L'OMS, à peu près 55 millions de personnes qui seraient atteintes de démences dans le monde. Avec à peu près 10 millions de nouveaux cas chaque année. Et puis les prévisions prévoient à peu près environ 140 millions de cas d'ici 2050. C'est assez paradoxal parce qu'en fait, il y a une étude de nos pays européens qui a été menée et qui dit que le nombre de nouveaux cas a tendance à diminuer parce qu'on est très, on est devenu bon pour la prévention de tous les facteurs. Favorisant, comme par exemple les AVC, les troubles cardiovasculaires, ce genre de choses. Et pourtant, comme le privilège qu'on a aujourd'hui, qu'on a une espérance de vie qui est de plus en plus longue, on a quand même le nombre de cas totaux qui ont tendance à augmenter, le nombre de démences qui augmentent dans le monde. Voilà. Et puis, on parle,
Vous voyez, il y a 65% de femmes. Pourquoi? Parce que bah, justement, question de longévité, les femmes ont une longévité qui est plus longue que celle des hommes. Donc voilà, on a des chiffres assez différents. Donc, bah, toutes les 3 secondes, quelqu'un développe une démence dans le monde. Et puis, voilà. Il y a un petit problème avec le son apparemment. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou c'est pas le moment? Ok, peut-être c'était aussi l'aspirateur parce que difficile de comprendre. Ah, je ne sais pas ce qu'on peut faire au niveau des réglages. Ah, d'accord. Et la connexion, elle est comment? Attendez, je vais regarder si je peux faire une. On essaye de faire quelques réglages, du coup. Oui. J'ai changé un peu des réglages. Attendez. On a changé de micro, on va essayer de voir si ça va mieux. Je vois qu'il y a un mot qui est écrit. Voilà, parlez et on verra si ça fonctionne mieux. Est-ce que vous nous entendez mieux? On a fait quelques petits réglages. Ah, ok, ça va mieux apparemment, super. Ok, voilà, je nous mets quand même voilà. Que nous on voit. Ouais. Ah, faut de nouveau là. Voilà. Super. Maintenant, j'espère que ça va aller. N'hésitez pas à nous le dire voilà, s'il y a quelque chose qui se dégrade. Ok, bon, bah parfait. Ok. Bah, du coup, on reprend sur ces chiffres qui sont quand même assez consternants. Mais donc voilà, ils sont tous marqués sur la slide. Je ne vais pas forcément tous revenir en détail. Et puis, on a mis une petite prévision. Comparé à 2015, on voit qu'ils prévoient une augmentation assez exponentielle du nombre de cas. Ça parle d'eux-mêmes, en fait, tout simplement. Après, voilà, on voulait revenir sur qu'est-ce que c'est le déclin cognitif, au final. Mais d'abord, on va parler du déclin cognitif normal avant de parler de tout ce qui est démence. Il faut savoir que, comme nous, notre cerveau, il vieillit. C'est quelque chose de totalement normal. Certaines fonctions cognitives sont moins efficaces avec le temps, mais sans pour autant avoir un impact sur notre qualité de vie, sur l'autonomie. Et puis, on a certaines fonctions qui sont un peu moins efficaces, comme la mémoire, on l'a dit, mais ce n'est pas forcément dû à des problèmes de mémoire. On peut avoir justement des difficultés d'attention. Si on ne paye pas bien attention à une information, ça va être plus difficile de la retenir. Donc, c'est quelque chose de normal si on est plus stressé. Il y a une certaine évolution, un certain déclin qu'on appelle normal. Mais il n'y a pas que du déclin. Quand on prend de l'âge, il y a aussi certaines fonctions qui s'améliorent. On a le vocabulaire qui s'étoffe. On a la mémoire procédurale, par exemple. C'est la mémoire des schémas d'action. Par exemple, changer une roue, bien prendre la voiture. Tout ça, c'est des choses qui s'améliorent avec l'âge. Donc, on n'a pas que du moins bien. et on a d'autres qui diminuent progressivement. Donc, les fonctions exécutives. La mémoire, c'est la plainte la plus fréquente. Mais comme on l'a dit avant, c'est aussi du fait de la diminution d'autres fonctions, comme l'attention. Et ce genre de choses. Donc, par exemple, si on a plus de peine à allouer notre attention sur une chose et qu'on est plus ralenti à traiter l'information, ça va forcément être plus difficile de mémoriser une information. Justement, il y a certains changements structurels qui expliquent ce déclin cognitif normal. Par exemple, dès l'âge de 25 ans, on a une diminution du volume de la matière grise au niveau du cerveau. Notamment au niveau du lobe frontal. Et on a aussi certaines synapses. On a une diminution du nombre de synapses et du métabolisme cérébral. Donc, c'est la consommation d'énergie que le cerveau a besoin pour faire son activité. Donc, on a par exemple quand même, c'est un organe qui fait 2% de notre poids, mais qui consomme 20% quand même de l'énergie du corps. Donc, c'est assez énorme.
Et donc voilà, comme on l'a dit, c'est au niveau du lobe frontal que ça diminue et des hippocampes aussi. Hippocampes qui sont du coup quand même la structure où siège la mémoire épisodique, donc qui va nous intéresser aujourd'hui. Et du coup, on a parlé du déclin cognitif qu'on appelle normal, mais du coup, voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le déclin cognitif qu'on appelle pathologique. Alors, c'est quoi? C'est une réduction significative et évolutive des capacités cognitives, mais de manière à induire une perte d'autonomie. Et là, c'est vraiment la qualité de vie qui est impactée, donc c'est pour ça qu'on parle de quelque chose de pathologique. Et c'est souvent secondaire, voilà, à une atteinte biologique ou structurelle. Par rapport à ce qu'on disait avant, suite à un AVC, à des troubles cardiovasculaires, ce genre de choses. Donc voilà, il y a des changements, il y a des biomarqueurs qu'aujourd'hui on arrive à mesurer en termes de prévention pour la maladie d'Alzheimer. On va les expliquer un peu plus en détail maintenant. Donc par exemple, je ne sais pas s'il y a un pointeur avec la souris, si on peut en mettre un, super. Merci François. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais en tout cas, il y a deux biomarqueurs qui aujourd'hui, merci beaucoup, qui aujourd'hui sont reconnus dans la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas nécessaire ni suffisant, mais c'est deux choses qu'on sait pour l'expliquer un petit peu. Dans les neurones, en particulier les neurones pyramidaux qu'on retrouve au niveau de l'hippocampe, par exemple, entre autres, hein, mais de la matière grise de manière générale, il y a une protéine qu'on appelle la protéine Tau, qui est dans les microtubules. Et en fait, cette protéine, elle a tendance à s'hyperphosphoryler, et ça fait des amas de filaments dans ces neurones. Et en fait, ça fait que il y a une désorganisation neuronale et une mort neuronale en fait de ces neurones. Et du coup, donc on a une perte de volume, une perte de matière grise. Et en plus, donc ça c'est ce qu'on appelle les dégénérescences neurofibrillaires à l'intérieur des neurones. Et en plus, entre les neurones, on a des plaques amyloïdes, on appelle ça des plaques séniles aussi, on va avoir des amas de ces plaques-là qui vont se former, s'accumuler et qui vont gêner les connexions entre les neurones. Et donc du coup, alors ça c'est ce qu'on retrouve dans un vieillissement totalement normal. On a ça dans un vieillissement aussi totalement normal, sauf que dans la maladie d'Alzheimer, c'est en trop grande quantité. Et donc ça va commencer en général plus souvent amassé au niveau de l'hippocampe. Et puis au fur et à mesure que la maladie va avancer, ça va venir impacter les régions, les aires associatives et donc par exemple celle du langage. Et donc, c'est pour ça que les symptômes vont être de plus en plus sévères en fonction de l'évolution de la maladie. Donc voilà, c'est pour ça que, comme... Ah, vous avez de nouveau du mal à m'entendre. Est-ce que c'est partagé? Non, alors ça c'est dépendant, voilà. Ah, ok. C'est pas partout. Ok. Ok. On va peut-être J'espère parler. que ça, voilà, ça s'améliorera pour les personnes qui ont du mal. Ok. Ok. Donc voilà, comme on disait, donc c'est pour ça que la maladie d'Alzheimer, vous l'avez peut-être entendu parler sous le terme de tauopathie, parce que c'est un problème avec la protéine tau, justement, comme on disait avant, avec les amas de filaments dans les neurones. Donc voilà, au niveau du cortex, on le voit, du coup, c'est une perte au niveau de la matière grise. Là, on a les hippocampes. Normalement, quand ils sont en toute bonne forme, ils sont tout gonflés, tout beaux. Et puis là, on voit, en fait, il y a une échelle qui permet de mesurer justement la perte de volume au niveau des hippocampes, qui s'appelle l'échelle de Sheltens. Et on voit, il y a différents grades en fonction de l'évolution de la maladie. Le grade 4, c'est le plus avancé, et c'est là où on a le plus forcément de problèmes de mémoire, de langage. Voilà, où il y a les symptômes les plus sévères. Et voilà, une dernière petite info. Donc, c'est la structure qui est impactée, on voit les hippocampes en particulier. Et en fait, en termes de mémoire, c'est la mémoire épisodique qui va avoir le plus de soucis. Donc, c'est la mémoire des événements bien situés dans le temps. Ce qu'on peut raconter, par exemple, l'anniversaire de nos 18 ans, évidemment, le repas qu'on a fait dimanche dernier.
y a des éléments de contexte, les émotions associées avec ce genre de choses. Souvent, on se dit, par exemple, ma grand-mère, elle ne peut pas me raconter ce qu'elle a mangé ou ce qu'on a fait dimanche dernier tous ensemble, mais elle sait me raconter la guerre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste deux types de mémoires totalement différentes. Ils sont dans deux structures différentes au niveau du cerveau. Et en fait, les événements anciens ont été sémantisés. Donc, en fait, c'est la mémoire sémantique. C'est plus du tout le même type de mémoire que celui qui est impacté dans la maladie d'Alzheimer. Donc, voilà, c'est un type de mémoire qui est impacté en premier le plus. Voilà. On a encore juste un petit mot sur les facteurs favorisants et aggravants. Donc voilà, il y a rien de très nouveau, mais bien sûr, le stress, l'anxiété, la dépression, l'hygiène de vie, c'est pour ça, en fait, on parle de ressources cognitives, on parle de réserves cognitives, ça c'est le mieux pour prévenir le plus possible ces maladies neurodégénératives-là. C'est le fait de se stimuler cognitivement tout le temps. Voilà. Justement, le principe de la neuroplasticité que voilà. Nous on utilise au niveau du neurofeedback qu'on utilise pour amener des changements, malheureusement, ce que beaucoup de gens oublient, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire de pire que d'aller en retraite et de plus rien faire, ne plus stimuler votre cerveau. C'est simple. Comme il n'est plus utilisé, le cerveau va dégrader lui-même pour économiser de l'énergie. Parce que ce n'est pas seulement pour les humains que l'économie d'énergie est importante, le cerveau fait ça tout le temps. On peut le stimuler, il va se développer comme un muscle, on arrête, il va se rétrograder lui-même puisque ce n'est pas utilisé, il va l'utiliser pour autre chose, peut-être des choses qu'on ne fait pas. Et je voudrais juste rajouter un mot, ça choque beaucoup de gens, mais ça vient aussi du livre, un petit peu, c'est de Bredesen, le sucre ou l'alcool, qui n'est pas la même chose. On peut appeler aussi Alzheimer la troisième forme de diabète. Voilà. Donc, le sucre est votre ennemi si vous êtes dans un âge avancé. Le cerveau va raffoler du sucre, il va l'adorer parce que ça va lui donner l'énergie. Mais c'est une mauvaise énergie et la combustion, le changement du sucre en énergie utilisable par le cerveau va entraîner beaucoup de dégâts. Voilà, tout simplement des dégâts, on ne peut pas dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger sucré. En fait, ce qu'il faut surtout éviter, c'est tout ce qui est industrialisé. En gros, c'est simple. Imaginez votre arrière-grand-père, imaginez ce que lui mangerait, et il ne mangeait rien qui sortirait d'une usine. Faites comme lui. Faites comme arrière-grand-père et ne mangez rien qui sortirait d'une usine. Rien qui est retraité et rien où il y avait des sucres ajoutés, des sucres cachés. Si vous allez dans un supermarché, vous regardez aujourd'hui vraiment les étiquettes, c'est très, très dur d'éviter le sucre. Il y en a dans les cornichons, le jambon, le saucisson, partout où vous ne croyez pas qu'il y en a, sans parler des boissons sucrées et autres, ça c'est autre chose encore, mais éviter le sucre est difficile. Voilà. Petite interlude, voilà. En termes de stimulation, comme François l'a dit, plus vous allez stimuler votre cerveau en faisant de nouveaux apprentissages, apprendre une nouvelle langue, ce genre de choses, plus ça va créer de nouvelles synapses dans votre cerveau et plus ça va faire de la réserve cognitive et retarder encore l'apparition de certaines maladies neurodégénératives si elles doivent venir. Et il y a par exemple certains facteurs favorisants comme certains gènes dont on connaît l'existence. Il y a le gène, il y a la polypoprotéine 4, ça c'est très connu. On sait que ce n'est pas nécessaire ni suffisant, mais on sait que... C'est une modification du gène. Voilà. Donc, si vous faites on conseille vivement pour les gens où il y a déjà des antécédents dans la famille, où il y a une crainte par rapport à ça, et les facteurs aggravants plusieurs qui se mêlent, c'est évidemment de faire une analyse génétique, parce que le fait d'avoir cette variante du gène APOE4 qui est très étudiée, qui est validée, ça augmente, je pense que c'est x10 le risque de développer une maladie. Et donc, si vous le savez, vous pouvez prévenir. Et là, c'est justement tout le travail de Dale Bredesen qui vous donne les clés de comment vous pouvez prévenir dans les compléments alimentaires, les différentes choses, mais l'analyse génétique. Ceci dit, il ne faut pas paniquer. Ce n'est pas parce que vous avez l'APOE4 que ce gène va être transcrit et que vous allez l'avoir. Simplement, ça augmente la probabilité
éviter de l'avoir. Je pense que si vous avez un peu le cas, vous êtes à 90% de... Ouais, c'est 16 fois plus que les trois autres mutations. Il y en a trois autres mutations de ce gène et la troisième qui est la polypoprotéine 4, bah, du coup, c'est 16 fois plus de chances de développer la maladie d'Alzheimer. Mais voilà, c'est ni nécessaire ni suffisant. Donc, c'est pas forcément... C'est un indicateur. Voilà. Aussi, une autre question que ça soulève, c'est par rapport à l'hérédité. Ça, je voulais en parler. Il y a... Les formes héréditaires, donc autosomiques dominantes, ça s'appelle de la maladie d'Alzheimer, il n'y en a que 5% contre 95% de formes non héréditaires. Et les formes héréditaires, c'est les formes plus agressives qui commencent avant 50 ans. Donc ça ne veut pas forcément dire non plus que si votre parent avait Alzheimer, vous allez l'avoir, parce que ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est une maladie qu'on appelle multifactorielle. Donc, ça va dépendre non seulement de facteurs génétiques, mais de facteurs, ben voilà, comme on l'a dit, l'hygiène de vie, les substances, le stress. Et voilà, les formes, du coup, qui sont non héréditaires, donc 95% quand même, ça reste l'apparition après 65 ans et voilà, plus évolutive, plus lentement évolutive. Voilà. Donc voilà, ça c'est les principaux facteurs favorisants. Et voilà, je te repasse la main. Voilà, donc, et le cerveau. Ben, le cerveau, c'est quand même l'endroit où ça se passe. Donc, il y a différentes façons de regarder le cerveau. Nous, ce qu'on fait tous les jours, de 7h du matin à 8h du soir à peu près, c'est on enregistre l'activité électrique. En fait, le cerveau, on peut le régler de plusieurs façons. Une fois, c'est plutôt le côté chimique avec le côté neurotransmetteur, mais qui a le désavantage que c'est très difficile de mesurer puisqu'il faudrait faire des trous dans la boîte crânienne, ce qui est très déconseillé. Mais le moyen qui existe depuis plus de 100 ans, c'est ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme ou EEG. Et donc, nous, on utilise ça tous les jours. On l'utilise deux sens, dans deux variantes. Une chose, c'est pour mesurer et regarder qu'est-ce qu'il y a, mais après, on peut s'en servir aussi pour changer. Et ça, c'est la partie neurofeedback où on va venir et expliquer. Alors, c'est la même chose que ce que fait un neurologue. Donc, on utilise le même matériel ou la même façon de procéder, sauf que le neurologue, lui, va regarder... La différence entre le neurologue et nous, c'est que le neurologue, il émet des diagnostics. Nous, ce qu'on fait, nous, on a des systèmes de base de données, on a plusieurs à notre disposition, où on peut vraiment comparer l'enregistrement de votre cerveau par rapport à des bases de données où il y a des gens à problème, des gens hors problème. Et on a même maintenant accès à des bases de données qui utilisent l'intelligence artificielle, qui peut prédire le risque de développer justement un taux de fiabilité autour de 90% si vous êtes enclin à développer une forme de maladie neurodégénérative. Pas toutes, mais en tout cas certaines. Alors, ce que vous voyez là sur la photo, ça c'est le bonnet qu'on met. La différence avec l'hôpital, entre autres, c'est que nous, on utilise pas de gel. Donc, c'est cool. Bah, vous prenez un peigne et on a un miroir et vous repartez pour aller travailler. À l'hôpital, ils utilisent du gel et ils scotchent les électrodes et vous n'êtes pas prête pour aller retravailler après. Là, nous, comme je vous dis, nous, on n'aime pas les étiquettes, on n'aime pas les diagnostics parce que souvent, ça ne correspond pas. Par contre, on va parler de tendance, de comment vous utilisez le cerveau. Qu'est-ce que ça vous apprend? Alors, ce que vous voyez en haut ici, cette barre, c'est la comparaison avec la population dite normale. Alors, je ne suis pas normal, tu n'es pas normal, j'espère que vous ne l'êtes pas non plus, parce que c'est mortel d'être normal, mais c'est les valeurs de référence. C'est comme pour les analyses de sang, vous avez, suivant le labo, je pense que le vitamine D doit être entre 30 mg et 140, c'est les références. Et donc, code couleur, comment nous on regarde votre cerveau, l'activité dans votre cerveau, c'est avec ces couleurs qu'on sait. Quand il n'y a pas de couleur, ce n'est pas que vous êtes mort, non, c'est que vous êtes normal. Si on va vers la gauche, ça c'est ce qu'on appelle des déviations standards pour ceux qui se rappellent les statistiques,
il y a longtemps. Quand on va vers le côté gauche, on a une activation bleue, les couleurs bleues comme là. Donc ça, c'est un manque d'activité, il n'y a pas assez. Et si on va du côté droit, c'est une on parle de suractivation, il y a trop de choses. Il faut savoir que plus ou moins une déviation standard, c'est ce qui correspond à presque 70% de la population. Nous, on dit que nous, ça nous intéresse à partir de deux déviations standards, parce que c'est ce qu'on appelle, nous, c'est cliniquement relevant, c'est une information clinique qui dit qu'il y a une dérégulation. À partir de trois déviations standards, c'est simplement déviant, on n'a pas besoin d'en discuter, ce n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on mesure? Alors là, vous avez des drôles de noms, delta, theta, alpha, beta, high beta. L'idée de cette conférence, c'est pas de vous rendre un expert, mais je pense que c'est intéressant de connaître quand même un petit peu ces différentes choses. Alors, j'ai commencé par le plus bas, c'est ce qu'on appelle les ondes delta. Ça correspond à l'état quand vous êtes en sommeil profond ou quand vous êtes dans le coma ou que le cerveau est en mode de réparation. Donc, c'est quelque chose que vous ne voulez pas avoir pendant la journée. Voilà, c'est pas pratique. Ça, c'est irrégulier, c'est grand, c'est voilà, sur les traits, ça ressemble à ça. Voilà, quand c'est dans la norme, c'est comme ça. Quand ça sort un petit peu de la norme, là, par exemple, on a une sous-activation en delta. Ça peut nous laisser conclure à soit il y a un état d'épuisement ou il y a un mauvais sommeil ou ce genre de choses. La deuxième catégorie d'ondes qu'on regarde, ça commence à devenir un peu plus rythmique, c'est le θ. Θ, c'est les ondes, c'est les 4 à 8 Hz, ça correspond à l'état quand vous êtes juste avant de vous endormir ou quand vous êtes dans les rêveries de jour. C'est-à-dire, c'est aussi bien le côté rêve, mais aussi c'est la créativité, et c'est aussi très fort lié à la mémoire, donc on a besoin des ondes θ. On voit que ça devient un peu plus rythmique, voilà. Le θ, vous ne le voulez pas avoir au niveau du cortex préfrontal, ça fait du brouillard, ça a des problèmes de concentration, voire d'autres choses. Puis la troisième catégorie d'ondes qu'on regarde, peut-être vous avez déjà entendu parler d'alpha, les ondes alpha. Pourquoi elles s'appellent alpha? Parce que c'est les premières ondes qu'on a découvertes. C'est pour ça qu'on les a appelées alpha. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont été découvertes en premier? Parce que, regardez la forme, c'est régulier. On peut combiner parmi toutes. C'est beau, c'est joli à avoir un alpha. L'alpha est une onde un peu plus importante que les autres. Ça correspond au milieu de la fréquence. Et c'est, nous, on appelle ça les ondes dites de relaxation. C'est voilà, produire de l'alpha, c'est être zen. Ça veut dire que vous êtes réveillé, vous êtes juste connecté à vous, vous êtes bien. Voilà. Mais, de nouveau, trop d'alpha, c'est pas bon. Si vous avez, par exemple, trop d'alpha en frontal gauche, ben, vous êtes à tous les coups un peu déprimé, triste, vous voyez le verre plutôt vide que plein. Voilà. Et vous êtes dépasser parce que l'alpha n'est pas rapide, c'est fait partie encore des ondes lentes. Voilà. Maintenant, justement, bêta, on vient dans les ondes rapides. J'espère que maintenant, quand vous les écoutez, vous êtes en onde bêta, ça veut dire que vous êtes focusé, vous êtes capable de prendre l'information, de l'analyser, de la catégoriser. Donc, c'est quand vous êtes en mode réveil, etc. Ça devient, voilà, c'est un peu plus piquant, on va dire, au niveau des ondes. Voilà. Si vous en avez trop comme ça illustré ici, ça c'est typiquement quelqu'un qui a de l'anxiété. Même s'il ne la sent pas, s'il n'est pas conscient, nous on la mesure, on la voit. Puis vient les ondes, la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle le high beta, c'est au-dessus de 25 Hz, c'est du stress, c'est l'état de crise, l'état de hypervigilance, je dois courir. C'est un état que le corps peut utiliser s'il est en danger pour un court laps de temps. C'est de l'hypervigilance. Par contre, nous, on voit couramment, surtout les adultes, mais aussi les enfants, des gens qui vivent dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais dans l'instant présent, ils sont toujours dans l'anticipation, ils sont toujours tendus. Le mal de dos qui va avec, le mauvais sommeil qui va avec. Et surtout, ce qu'on ne voit pas là, c'est que ces ondes-là, ça consomme 10 fois l'énergie du delta. Donc, si vous avez trop de high beta, ben, le cerveau n'a plus d'énergie, ça reste.
Parce qu'il est en mode fonctionnement, voilà. Moi j'appelle ça aussi les ondes tigre ou les ondes de Verdun, on pourrait maintenant appeler ça les ondes d'Ukraine maintenant, ce serait plutôt ça. Alors, ah non, j'ai un mauvais côté. Alors, c'est toi ou moi? Peut-être moi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si vous êtes concerné, vous croyez être concerné par le Covid? Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne se guérit pas vraiment. Dale Bredesen a publié beaucoup d'études, mais par exemple, à Luxembourg, je ne connais aucun médecin qui travaille selon ces méthodes. Donc, si moi j'étais concerné, ce que moi je ferais, c'est je consulterais un médecin aux US qui est formé dans cette méthode et j'irai voir l'Eurofeedback Luxembourg. Mais bon, ça c'est après. Ce qui est plutôt ce que vous pouvez faire, mais je pense que ça c'est valable pour tout le monde, c'est pas simplement si vous êtes à risque par rapport au déclin cognitif, c'est votre hygiène de vie, c'est l'alimentation. Voilà, si vous mettez si vous mangez de la bouffe industrielle, tout préparé, beaucoup de sucre, beaucoup de voilà, ben non, ça va pas le faire. Voilà. Limiter, en fait, c'est surtout manger des produits locaux, frais, éviter tout ce qui est sucre et féculent. Ça vous donne de l'énergie, mais ça c'est pas bon pour votre cerveau. L'exercice physique. Au moins une fois par semaine, moi je dirais plutôt trois fois par semaine si vous voulez vraiment rester en forme. Donc, mais ce n'est pas nécessairement de l'activité sportive au niveau. Ça peut être marcher, voilà. Il faut surtout maintenir les activités intellectuelles. La pire chose qu'on peut faire, c'est juste regarder l'eau qui coule dans la rivière. C'est pas bon. Apprenez des choses. Aujourd'hui, Internet vous ouvre tout le savoir du monde. Utilisez-le, voilà. Apprenez à jouer d'un instrument, apprenez une nouvelle langue. Apprendre une nouvelle langue réduit fortement le risque de développer des maladies neurodégénératives. Voilà. Dans le sens de ce qu'on disait avant, la stimulation, la réserve cognitive. Ouais. Ça restructure complètement votre cerveau, le fait d'apprendre une nouvelle langue. Donc, c'est peut-être l'occasion d'apprendre le portugais ou je ne sais pas. Les contacts sociaux, ça, malheureusement, les changements des dernières années n'ont pas été très propices. Je pense qu'en période du Covid, où c'était impossible de visiter les personnes âgées, etc. Et je pense que le mode de société n'est pas favorable. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à mettre les gens dans des maisons de retraite ou des EHPAD. Ce n'est pas le lieu. Même si certains, j'ai vu la dernière fois, il y avait un snoozle room dans les maisons de retraite. Et surtout, si vous avez des personnes âgées autour de vous, le contact physique est super important. Prenez-les dans les bras, touchez-les, voilà. C'est ce qui fait la vie. Voilà. Le sommeil, naturellement, voilà. Il y a un rythme régulier. Allez vous coucher aux mêmes heures. Évitez le petit verre du soir pour dormir, c'est à l'heure, ça ne marche pas. On l'a mesuré. Voilà. À partir de, par exemple, deux unités d'alcool consommées le soir, vous enlevez le sommeil profond. Or, c'est le sommeil profond dont vous avez besoin pour restaurer justement la forme. Voilà, pour le replay, je disais juste que du coup, il sera disponible sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et sur le Facebook. N'hésitez pas à nous abonner si vous regardez sur YouTube en replay. Voilà. Alors, le volet que nous, on apporte, on a vraiment notre expertise, c'est tout ce qu'on appelle les neurotechnologies. Je veux juste être prudent, ne pas donner de faux espoirs. Ce n'est pas une arme magique. Malgré qu'on ait l'impression, parfois, c'est magique. Ouais, mais voilà, c'est magique dans le sens où on va directement à la source, on est très efficace, on a des résultats rapides, mais ça ne va pas guérir un Alzheimer. On peut le ralentir, on peut presque même le stopper. Voilà. Surtout, commencer tôt. Parce qu'en fait, au niveau du cerveau, on peut voir les premiers risques des années avant qu'il y ait les premiers signes. Parce qu'une fois que vous voyez les signes, ça veut dire que c'est parti 10 ans plus tôt. C'est trop tard. Commencez tôt. Vous voyez, voilà, vous faites l'entretien de votre voiture, faites l'entretien de votre cerveau. Voilà. Alors,
Pourquoi est-ce que ça marche? Ben parce que justement, comme je disais, c'est nous, on va directement à la source, on ne va pas à la cause. La cause, c'est vos gènes, votre façon de vivre, la société, la pollution. Voilà. Mais le terrain où tout se passe, la scène, c'est le cerveau. Et tant qu'on ne travaille par voie indirecte, ben, les résultats sont indirects. Il n'y a pas de danger dans les choses que nous faisons, même si ça ressemble un peu à de la science-fiction, ce qu'on vous raconte. Parce que nous, on met des drôles de trucs dans le cerveau, on mesure ce qui se passe, on traîne le cerveau, on met de la lumière dans le cerveau, on va y venir, on stimule électriquement, on stimule magnétiquement. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, ce n'est pas dangereux. Votre iPhone à côté de votre tête pendant des heures, c'est plus dangereux que ce que nous on fait ici. Les effets sont directs. C'est nous, on est chaque fois étonnés. Moi, je suis encore étonné chaque jour. Tiens, ça marche si bien que ça. C'est vraiment les gens ont du mal, mais c'est pas possible que ça agisse aussi vite. On a encore eu le cas aujourd'hui avec une cliente. Pourquoi est-ce que j'ai attendu si longtemps avant de venir? Ben, je sais pas. Voilà. Il y a surtout une base scientifique. Si vous ne croyez pas à ce qu'on vous raconte, j'adore l'esprit critique, c'est très bien la démarche scientifique. Ça fait partie de la démarche scientifique, c'est de tout mettre en doute et de vérifier les sources. C'est très simple. Vous pouvez aller sur la plus grande base de données de publication scientifique qui s'appelle PubMed. Vous rentrez le mot neurofeedback ou photobiomodulation et vous allez être inondé d'études. Pour neurofeedback, vous avez pas loin de 3000 études publiées depuis plus de 50 ans. Pour la photobiomodulation, vous êtes pas loin de 10 000 études. Pourtant, personne ne le connaît. Si je pose aujourd'hui la question parmi notre audience, qui de vous a déjà entendu parler de la photobiomodulation? Et qui n'est pas un client chez nous. Parce que... Merci, Madame Piano. Ouais. Ah, Madame Yvonne, c'est très bien. Non. Voilà. Alors, je vais vous... J'en profite. Non, je vais montrer. C'est trop tôt. Après, je vais montrer. Parce que nous, on utilise ça déjà tous les jours. Voilà. Je suis content qu'il y ait des gens. Moi, je veux bien savoir, Yvonne, où vous avez entendu parler de photobiomodulation. Ça m'intéresse. Merci, Manu, pour un témoignage. Internet, c'est bien. Ça veut dire que vous avez fait des recherches. Vous avez fait poser les bonnes questions parce que pour arriver à ce terme, ce n'est pas évident. Ah, voilà. Bonne référence. Merci. Voilà. Alors, on va discuter de deux, trois petites choses. Ce n'est pas le détail, mais comprendre. Alors, comme je vous dis, nous, on travaille avec léger. Donc, première chose, vous venez chez nous, on vous met la cape. Ça ne fait pas mal. On enregistre le signal. On a défini au préalable. Qu'est-ce qu'on veut faire chez vous? Donc, le praticien qui est derrière l'ordinateur, ou moi ou Mélanie, on va définir une cible. Normalement, nous, on fonctionne par réseau. On va cibler un réseau ou des aires en fonction de votre demande. On s'adapte vraiment. Aucune personne qui vient chez nous, si deux personnes viennent, jamais elles n'auront deux fois la même chose. C'est toujours du 100% personnalisé, adapté sur ce qu'on a mesuré chez vous. Donc, on va vous mettre un feedback. On mesure, ça, c'est le côté neuro. Et puis, feedback, on a un grand écran chez nous où on va vous mettre quelque chose à regarder. Un film, le film n'est pas important. Le film doit juste vous intéresser. Ce qui est spécifique, d'où vient l'action, ça c'est difficile à comprendre chez les gens, mais ça marche super bien, c'est que le film, il va réagir en fonction de ce que fait votre cerveau. C'est-à-dire que si votre cerveau est, comme ici, à droite, trop rouge, trop sorti des normes. En fait, l'image va être assombrie et le son va être amoindri. Vous pourrez toujours suivre le feedback, c'est-à-dire que vous pourrez toujours suivre le film. Mais votre cerveau, en fait, il reçoit une information, pas ça. Hop, votre cerveau va dans le bon sens. L'image, c'est clair. Donc, en gros, 30 fois par seconde, 20 minutes, on va dire, le système va dire au cerveau, fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Rien. C'est implicite. C'est un apprentissage, on appelle un conditionnement opérant. Ça marche sur des chats, donc n'ayez pas peur, vous êtes capable de le faire. La seule chose que vous devez faire,
C'est vous devez venir, vous devez avoir bu, vous devez avoir mangé, et vous devez nous rapporter si jamais vous sentez des choses. Voilà, parce que nous, on sait mettre la pression forte ou y aller doucement. Et en fonction de ce que vous avez besoin et de ce que vous nous dites, on va le changer. Donc, en fait, c'est comme une éducation de votre chien. Il fait un bon comportement, il fait hop, il reçoit une récompense. Un mauvais comportement, punition. Vous ne le remarquez pas. Pour la personne qui est assise là, c'est en fait, c'est comme regarder un film sur une télé qui a un faux contact. Mm-hmm. Voilà. Et c'est tout. Au début, la première séance, c'est un peu dérangeant. La troisième séance, vous ne le remarquez même plus. Ça ne vous dérange plus. Donc, ce qui est surtout important, c'est pas d'effort. Vous ne pouvez pas échouer. Avec les 2500 cerveaux que j'ai entraînés, je n'ai jamais vu un qui n'était pas capable d'apprendre, de comprendre tout de suite. En 10 secondes, tout cerveau qu'on branche, à qui on donne le feedback, il commence à se changer. C'est le cerveau qui se change lui-même, ce n'est pas nous. Voilà. Est-ce que, oui, mais le fait de regarder un film, de changer le cerveau chez vous, est-ce que comment ça va influencer ma vie en dehors? Ben, si. Parce que c'est le même cerveau qui va vous prendre, qui fait vous prendre vos décisions, qui fait votre perception, vos réflexions, etc. Si vous changez ici, ça a des conséquences dans toute votre vie. Ça dure dans le temps, sauf quand on parle de maladies neurodégénératives, ça veut dire que là, malheureusement, il faut continuer à le faire. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, un enfant avec un trouble d'attention, en 10-20 séances, on arrive fortement à diminuer les symptômes de ce problème de concentration, ou un adulte qui est trop stressé. Ici, quand on parle de senior, donc personne au-delà de 60 ans, et dont le cerveau a déjà commencé à se dégrader, là, on obtient vite des améliorations, mais il faut continuer. La bonne nouvelle, c'est qu'on va vous présenter une offre qui tient justement compte de tout ça, et vous pouvez faire des traitements à la maison, mais le mieux, c'est quand même de venir nous voir régulièrement pour rester enfant. Pensez à l'entretien. Qu'est-ce qui est un facteur? Quand est-ce que ça ne fonctionne pas bien? Ben, la première règle, c'est quand vous ne vous conformez pas à nos instructions. Ce qu'on appelle le non-compliance. On a l'expérience, on sait ce qui marche et on sait ce qui ne marche pas. On va vous demander de fixer les objectifs, on va vous demander de fixer les critères de réussite, on va vous demander des feedbacks avant, pendant, après les séances. Ces feedbacks sont super importants. Non, ce n'est pas simplement comme ça. Parce que comme je vous dis, nous, on peut mettre l'intensité à 100% ou certains cerveaux n'ont besoin que de 10%. Donc, on a besoin de collaborer. Et ça ne marche que si vous faites les pas dans les étapes comme nous, on les a décrites. Voilà. L'autre facteur qui est vraiment handicapant, c'est si vous venez avec une liste de médicaments déjà comme ça, genre un antidépresseur que vous prenez depuis 20 ans, un antihistaminique, un anxiolytique, un pour la pression sanguine, un pour la digestion, un pour la... Là, malheureusement, le neurofeedback, c'est du conditionnement, la chimie, elle est plus forte. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de résultat, mais vous mettrez plus de temps et vous aurez plus d'effets secondaires. Dans ces cas-là, nous, on recommande d'aller voir votre médecin, de voir est-ce que je peux réduire certaines choses. Souvent, ou la plupart des clients remarquent aussi que quand ils font du neurofeedback, en fait, l'efficacité des médicaments va être plus forte. Donc, vous n'aurez plus besoin des mêmes doses. Ce n'est pas nous, nous, on ne prescrit pas, on n'est pas pro-médicaments, on n'est pas anti-médicaments, mais je vous préviens, ça va changer. Si vous avez des blessures physiques au niveau de la tête ou des plaques de métal, là, on a du mal à mesurer le signal. Ça, naturellement, c'est logique. Voilà. Après, nous, on travaille aussi. C'est pas que donc le neurofeedback, c'est le cerveau qui apprend à s'autoréguler. On réintroduit le concept d'autorégulation. Mais nous, on utilise une combinaison de plusieurs techniques. On veut dire qu'on fait de la stimulation. C'est-à-dire que, par exemple, un cerveau n'a plus d'onde alpha, qui ne sait pas se reposer, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il en place, bien faire, être relax. Enfin, je ne vise personne, mais c'est assez souvent. Si on vous stimule votre cerveau en onde alpha, ce qui vous manque pour être relax, quelques minutes, c'est-à-dire qu'on va pendant quelques minutes, grâce à la stimulation électrique, magnétique, lumineuse, ou sonore, ou d'autres, on a plein de gadgets. En fait, on va mettre le cerveau dans cet état d'alpha
Et puis, avec le neurofeedback, le cerveau va apprendre comment il génère lui-même de l'alpha. Mais le fait d'avoir été en onde alpha pendant quelques minutes, ça change tout, parce que le cerveau sait ce qu'on veut de lui. Et donc, il va s'adapter. C'est un apprentissage facilité, c'est un accélérateur. Ça, c'est les différentes modalités. Par exemple, ça, c'est des ondes magnétiques qu'on utilise aussi souvent au niveau du deuxième cerveau, c'est-à-dire le gut, les intestins, stimulation électrique, c'est pas les chocs électriques, c'est moins qu'une pile de 9 volts, mais bon, vous le sentez quand même. Et puis, l'arme sacrée contre les maladies neurodégénératives, c'est la photobiomodulation. Ça veut dire quoi? Ça vient maintenant après, je pense, dans les slides. Voilà. On va en parler un peu plus. Je vais vous montrer aussi un exemple à quoi ça ressemble. C'est magique. Voilà. Justement, la photobiomodulation. Qu'est-ce que c'est? Avant, ça existait sous 30 noms différents, stimulation lumineuse, luminothérapie, et tout le monde parlait de deux choses différentes. Est-ce que c'est la lumière bleue que vous mettez dans les yeux contre la dépression? Non, c'est pas ça. Ici, je vais prendre maintenant. Je vais vous montrer le casque. Le casque magique. Alors, ça ressemble à un casque de vélo, vous direz-vous. Mais là, il y a plus de 300 diodes et il n'y a que 4 lumières que vous voyez parce que les autres, vous ne les voyez pas. C'est ce qu'on appelle la lumière infrarouge. Et c'est une certaine longueur d'onde. Ici, en particulier, c'est un modèle spécial pour justement Alzheimer, démence, etc. C'est ce qu'on appelle du 1068 nanomètres. C'est une longueur d'onde. Ce n'est pas une fréquence, c'est une longueur d'onde qui passe à travers les cheveux, la boîte crânienne, et qui va stimuler le cerveau. Qu'est-ce que ça fait? Ça va générer ce qu'on appelle de l'ATP. De l'ATP, c'est de l'énergie. Tout simplement, on met de l'énergie dans un système et on active la réparation au niveau cellulaire. C'est pas, je ne raconte pas de c'est pas des balivernes, ce n'est pas des légendes. Et c'est étudié depuis combien d'années? Je ne sais plus, 40 ans au moins. Voilà. Ça élimine le stress oxydatif, parce que le stress oxydatif, ça abîme. Voilà. On relance les fonctions cérébrales. La dernière étude qui est encore sortie cette semaine, où ici, on travaille avec des LED. Ce n'est pas du laser, parce que le laser est réservé aux médecins. Je ne connais personne, moi, 400, aucun médecin qui l'utilise. Mais bon, le LED est libre puisque c'est beaucoup moins puissant. On a le droit d'utiliser, on a les mêmes effets, sauf qu'il faut peut-être un peu plus de temps d'exposition. C'est vraiment, si vous êtes intéressé par le sujet, c'est magique. Je ne comprends pas que ce n'est pas plus utilisé. Voilà. Ben voilà, ça c'est celle, l'étude qui est sortie, voilà, où ils ont montré que la mémoire court terme, avec je pense que c'était une ou trois applications, c'était vraiment très court, avec trois applications, ouais. Laser, moins d'une minute ou de trois minutes, je ne sais pas exactement, tout de suite la mémoire se remet à fonctionner. Donc ça sonne magique, ça l'est un peu. Et surtout, aucun. Mais quand je dis aucun effet secondaire, aucun. Voilà, aucun. Ah, la caméra floue. Voilà. On a d'autres outils qu'on combine dans notre. Parce que nous, on s'appelle Neurofeedback Luxembourg, mais on fait bien plus que le Neurofeedback. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le nerf vague. Le nerf vague, c'est en gros l'interface entre votre corps et votre cerveau. C'est-à-dire que c'est par ce nerf vague que transitent les informations de contrôle du cerveau, tiens, bouge ton l'intestin, fais ci, etc., etc., tout ça. Mais surtout, beaucoup des informations qui remontent aussi. De qu'est-ce qui se passe, c'est à travers le nerf vague que le cerveau sait qu'est-ce qui se passe. Voilà. Le nerf vague, il est dérégulé aujourd'hui dans la plupart des gens, je dirais 80-90% des gens, parce qu'on passe beaucoup trop de temps dans ce qu'on appelle le système sympathique, qui est le modèle activation, voilà, plutôt que le parasympathique, qui est le modèle relaxation. Vous voyez, par exemple, les yeux, voilà, c'est les pupilles qui se rencontrent. Ça, c'est
l'activation sympathique, les publics qui rétrécissent, c'est l'activation parasympathique. Les deux doivent toujours être dans une balance. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble à la bonne dose. Or, nous, on travaille directement en stimulant le nerf vague. On peut le stimuler ici parce que c'est là où il passe juste à la surface de la peau. Derrière l'oreille, vous avez un petit truc osseux qui est juste derrière. Que vous voyez, voilà. Là, il passe là, du coup. Voilà, il passe là. Et le donc, plus long nerf crânien. Voilà. Et donc là, on peut, en le stimulant avec une certaine intensité, électriquement, une certaine fréquence, on peut vous mettre dans un état de relaxation que vous n'avez pas encore connu. C'est assez impressionnant. C'est impressionnant, voilà. Et plus de temps vous passez dans cet état, c'est aussi l'anti-inflammatoire, etc. Pareil, nous, on le fait dans les séances ici, quand vous venez chez nous, en standard. Mais on a aussi des moyens de vous donner cette stimulation du nerf vague à travers des sons. Ça s'appelle le Safe and Sound Protocol, que vous pouvez écouter chez vous à la maison. Et donc, on a des résultats très intéressants, très positifs, je dirais. Mais pareil, il faut le prendre au sérieux si on vous dit pas plus que 30 minutes par jour, mais 30 minutes, pas plus. Vous pouvez essayer de faire autrement, mais vous allez avoir des soucis. Votre digestion qui se met en marche pas comme vous voulez ou d'autres choses. Un peu d'exemples de cas concrets qu'on a déjà eu. Alors ici c'était à gauche, vous voyez avant. Donc, ça c'est une des façons comment nous on représente l'analyse du cerveau. Donc ce qu'on voit, ça c'est les ondes delta jusqu'aux ondes très rapides, très bêta. On voit beaucoup de bleu dans les ondes très lentes ici. Donc je sais que là il y a plus beaucoup de sommeil profond, pas beaucoup de sommeil réparateur. Ce qui m'intéresse c'est surtout les tempes, voilà, parce que ça va, c'est là où ça commence. La mémoire, les émotions. Et donc, si vous avez des ondes lentes au niveau vous les avez des années avant que vous ayez les premiers symptômes, des années. Là, c'est un cerveau qui est ralenti, qui est complètement ralenti. Et puis, les ondes rapides, ça manque aussi. Ici, c'est un exemple de qu'est-ce qu'on peut atteindre après 10 séances. Voilà, à quoi ça ressemble. Maintenant, le bleu a fortement diminué, c'est-à-dire la sous-activation, le manque d'énergie. On a redonné de l'énergie dans ce système qui s'est mieux régulé. Les tempes restent toujours ralenties. C'est neurodégénératif. Si vous voulez, on pourrait comparer le neurofeedback travaille au niveau du software, mais le neurodégénératif, c'est au niveau du hardware. Le software peut compenser beaucoup de choses du hardware, mais ne peut pas le remplacer. Donc, on a toujours, mais cette personne-là, elle dort mieux, elle est de nouveau vivante, elle a envie de faire des choses. Là, c'est très dur. Bon, problème de concentration, d'attention, plus rapide pour traiter les informations, meilleure mémoire, c'est énorme. C'est fait avant, ouais. Après. Oui. Ouais. Alors, vous donnez un autre exemple, mais comment vous voyez les changements? Parce que c'est joli, vos têtes colorées, là. Moi, je trouve ça, c'est une des parties. Parce qu'on fait toujours, en fait, un bilan avant de commencer et un bilan après. Quand je montre aux gens, même si vous n'avez pas l'habitude de lire de l'EEG, comme nous, on le fait depuis longtemps, ça, c'est un EEG avec, vous voyez, des grandes ondes. Donc, ça, c'est des ondes lentes. Ça, c'est un cerveau ralenti. Ça, c'est un cerveau accéléré, qui a vraiment tous les rythmes, toute la façon du fonctionnement, tout le mode de fonctionnement du cerveau est passé à une échelle, à passer une autre vitesse, pour ne pas dire autrement. Et c'est parlant. Ça, c'est un cerveau parlant. Plus homogène, plus organisé, structuré, ta communication est optimisée. Voilà. Ça, c'est typiquement l'exemple d'une personne qui venait nous voir régulièrement avant le confinement. Donc, à force de venir, je ne sais pas, deux semaines ou quelque chose comme ça, au moins une fois par mois, ça maintenait le cerveau dans un état, donc avec un diagnostic établi d'Alzheimer. Puis est venu le confinement, donc pas moyen de faire les séances, pas moyen de venir chez nous, il n'a rien fait. Ça a tout de suite baissé. En quelques séances, je ne sais pas en combien de séances, voilà,
C'est voilà, en une séance, clac, ça repart, ça change, c'est direct. Et la personne le sent, elle le remarque. Si elle ne le remarque pas, les gens autour d'elle le remarquent, ça, c'est sûr. Alors, comment se passe, si ça vous intéresse, bon, si vous êtes concerné, je peux que vous recommander vraiment, sincèrement, faites une brain map, venez chez nous pour faire déjà un bilan initial rapidement, n'attendez pas, parce que plus on aura fait un bilan tôt, mieux c'est. Alors, si vous voulez venir chez nous, comment ça se passe? Vous avez une première étape qui est optionnelle, c'est vous n'êtes pas sûr, que c'est qu'on est la bonne personne pour vous, que c'est la bonne méthode. Voilà. Prenez rendez-vous sur notre site, ce qu'on appelle nous une téléconsultation gratuite. Vous fixez une heure, on vous appelle, on discute de votre cas et on va vous donner un avis. C'est gratuit, mais juste il faut prendre rendez-vous. On n'a pas de secrétaire, on n'est pas disponible. On travaille, on reçoit 40 à 60 clients par semaine. Pas le temps d'être disponible au moment où vous pensez. On vous réserve des heures où on peut discuter, mais il faut utiliser ces heures-là. Puis vient la première étape, c'est le bilan initial, c'est le QEG ou la brain map comme on l'appelle. Vous venez chez nous, vous nous racontez, vous donnez les informations, vous amenez la liste des médicaments que vous prenez. S'il y a des rapports médicaux, donnez-nous les rapports médicaux. S'il y a de la neuroimagerie, donnez-les-nous, on regarde ça. On va enregistrer votre cerveau 2 fois 5 minutes avec le cap. Cap sur la tête, une fois 5 minutes ouverts, 5 minutes fermés, c'est facile. Vous rentrez chez vous, vous faites un test, une série de tests cognitifs et des questionnaires autour de votre santé pour qu'on sache comment où vous en êtes, combien d'instantané, voilà. Et puis on fixe le 2 rendez-vous, normalement on est en quelques jours, une semaine, 10 jours. Maintenant c'est plutôt 10 jours parce que voilà, fin d'année, etc. Mais normalement c'est rendez-vous en quelques jours, on vous donne le résultat. Et c'est un rendez-vous qui dure bien 1h30. C'est très riche. Vous allez en apprendre sur vous. Les gens sont souvent étonnés. Vous allez vraiment être étonnés parce que moi, je sais sur vous, rien qu'en lisant vos ondes. Sans vous connaître. En regardant la brain map. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, mais je sais comment vous le faites. Donc, ça, c'est cette étape 1. Puis, cette étape 1, la brain map, vous pouvez la faire, le bilan initial. Vous n'êtes pas obligé de passer à l'étape 2, la stimulation, les entraînements. Vous pouvez juste la faire à l'étape 1 pour voir où vous en êtes. Voilà. Le mantra, c'est qu'il faut mesurer pour pouvoir le changer. Donc, si vous ne mesurez pas, vous ne le savez pas. Après, vient la phase active, c'est-à-dire que là, on va passer aux entraînements. Les entraînements et les stimulations, c'est combiné en une séance. On fait normalement. C'est un pack sur 10 séances qu'on vous propose parce que c'est un programme qu'on fait. D'abord, on va faire des choses qui sont stabilisantes, puis on va faire des choses plus où il faut que le cerveau soit entraîné, et puis de nouveau, voilà. Et au bout de 10 séances, on refait le bilan. C'est un programme. Il faut que les séances soient rapprochées. Usuellement, on fait une fois par semaine, mais on peut faire. On a régulièrement des gens qui viennent de plus loin. Je pense que Noël, on a encore des Parisiens qui viennent. Voilà, donc là, on va faire 10 séances en une semaine, c'est ce que nous on appelle un intensif. Voilà, nous on sait quand est-ce qu'il faut faire un intensif ou pas. Parlons-en, voilà. C'est pas adapté à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de prescription, vous n'avez pas besoin de. Mais non, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Voilà. Par contre, il faut que ce soit régulier. Ce qui ne marche pas, c'est genre je fais 2-3 séances et puis je fais rien 6 mois et puis je refais 5 séances. C'est un apprentissage, donc ça nécessite de la répétition. Quand on veut apprendre une poésie, il faut la répéter. Comme vous faites du sport, voilà, vous n'êtes pas de marathon en entraînant de temps en temps. Non, c'est régulier. Après les 10 séances, on refait le bilan, donc on refait la brain map, donc on regarde comment votre cerveau a changé, on mesure le output, on refait les tests cognitifs. La mémoire s'est améliorée, oui, non. Souvent, la personne concernée n'est pas la meilleure parce qu'on s'adapte au changement. C'est pour ça que nous, on mesure et qu'on a des mesures neutres, des questionnaires, etc. Et on se remet autour de la table et on discute qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels étaient vos objectifs, est-ce qu'ils ont été atteints, oui, non. Ça, c'est notre processus et on a. Pour les gens qui sont restés jusque-là, on a une petite offre spéciale. Dites.
C'est le Ça, Joker. c'est... En fait, on fait une... C'est-à-dire que normalement, c'est 495 euros, justement, les deux rendez-vous, l'analyse et la restitution des résultats. Donc, on propose ça à 395 euros et vous avez jusqu'au 8 janvier pour utiliser ces codes. Alors, en fait, comment vous faites ça? Ben, en fait, nous, nos services sont en mode self-service. C'est-à-dire que vous allez sur notre site, et le nouveau site va être lancé. Vous allez sur notre site, vous réservez un bilan et avant de payer avec la carte, vous introduisez le code DC majuscule OG 2022 et il y a 100 euros qui sont déduits. Facile? Oui. J'espère. Si vous n'y arrivez pas, demandez Oui, on est là. voilà. Ça On peut arrive. vous aider. Voilà. Voilà, merci Mélanie. Voilà. Voilà, ça c'est l'adresse. Mélanie vient de mettre dans le chat l'adresse où vous pouvez aller pour rentrer ça. Donc, une fois que vous avez rentré, vous avez payé, vous choisissez le créneau horaire qui vous va le mieux. On a quand même quelques créneaux réservés. Donc, si vous voulez venir le mardi, le jeudi après-midi, c'est réservé pour les enfants. Je vous préviens aussi, les rendez-vous les plus demandés, c'est en fin de journée. Mais si vous êtes concerné par le déclin cognitif, je pense que vous avez le temps. Je vous conseille vivement les matinées. Vous aurez beaucoup plus de facilité et c'est beaucoup plus adapté de mesurer votre cerveau après une nuit qu'après une journée de normale. Voilà. Et on va avoir une offre où je n'ai pas encore tous les détails, mais une offre vraiment combinée, spécifique pour tout ce qui est déclin cognitif. C'est une forme d'abonnement. Plutôt que de payer les services individuellement, on a mis au point une nouvelle méthode, une nouvelle approche. Où on combine la brain map, la stimulation vagale, des rendez-vous chez nous, des jeux cognitifs pour vous entraîner, La un casque, photobiomodulation. la photobiomodulation pour vous à la maison. Pas ce casque-là, mais ce sera une version plus simple. Parce que ça, c'est un modèle. Voilà, c'est plutôt cher quand même. Et ça revient à peu près à. La C'est la prochaine prochaine ou slide. celle d'après encore. Voilà, donc c'est Voilà, c'est un produit qui sera non seulement à la maison, vous aurez des appareils, et puis nous, avec voilà, nos conseils et ce qu'on vous fera ici au centre de neurofeedback. voilà. Donc c'est vraiment l'offre la plus complète qu'on ait. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend vraiment du matériel, on vous met à disposition des exercices. N'oubliez pas, neuroplasticité, est-ce que vous n'entraînez pas, vous le perdez. Donc on veut vraiment stimuler, vous faire travailler les parties de la mémoire qui sont spécifiques, que vous avez besoin. En même temps que vous avez un casque sur la tête, je vous garantis que vous allez voir la différence. Et Voilà. on a essayé de faire un budget qui est. Ce n'est pas donné, mais c'est un budget, je pense, tout à fait raisonnable par rapport à l'utilité de votre cerveau pour votre vie. Voilà, donc on est à un budget de 975 euros par mois avec un minimum d'engagement sur 6 mois. Pourquoi? Parce que c'est le premier mois où on a le plus de travail. Et donc, il s'en met du temps pour que ça s'installe. Il y aura peut-être une caution, il y aura une caution pour le matériel, parce qu'on va vous donner du matériel chez vous, on va vous montrer comment utiliser, etc. Vraiment, on a prévu de le faire, même si vous le réexpliquez peut-être à des gens de votre famille, ou si vous avez un service à la maison, à domicile, etc. On a déjà fait des consignes, etc., et expliquer qu'est-ce que c'est. Parce que, par exemple, les gens de Help ou autres, ils n'ont pas le droit de faire s'ils ne savent pas ce que c'est. Donc, on a l'habitude, on sait faire ça. Alors, on a fait le tour plutôt rapidement, hein, c'est pas mal. On profite pour annoncer que les 2 prochaines dates de conférences de sujets qu'on va traiter. Le 12 janvier, ça va être Sur les en temps, anglais, c'est en anglais, voilà. sur les traumas psychologiques, donc ce qu'on appelle PTSD, stress post-traumatique, etc. Parce que le neurofeedback est une des meilleures façons d'aider un cerveau à guérir, à sortir de cet état d'hypervigilance qui produit le trauma psychologique. Et le 9 février, ça va être la première fois qu'on va faire un sujet sur l'autisme En français. en français. L'autisme étant aussi une des applications où le neurofeedback est
la photobiomodulation font partie des seuls moyens, je ne dirais pas de guérison, mais de comment dire, de stabilisation, voilà, ou d'aller mieux. Qu'est-ce qu'il faut dire? Voilà. Voilà, et il y a par exemple la première version, il y a déjà un webinaire que François avait fait avec Mélanie, je crois, qui était en français, qui est déjà sur YouTube par rapport au trauma. Donc si vous voulez, voilà, vous pouvez tout retrouver sur notre chaîne YouTube, il y a déjà pas mal de vidéos. Voilà, oui, et si vous nous regardez en replay sur vidéo, voilà. YouTube, n'hésitez pas à abonner et à liker pour que d'autres gens trouvent et que vous soyez contenus au courant des présentations qu'on fait. La chaîne, c'est Neurofeedback. Si vous trouvez que c'est utile, que ça vous intéresse, on trouve que le sujet est passionnant, on peut en parler des heures, voilà, allez sur notre chaîne, allez sur YouTube, tapez Neurofeedback Luxembourg, vous nous trouverez, il y a doit y avoir une dizaine de vidéos sur différents sujets. Non, on ne peut pas, partage d'écran, c'est différent. Non, je vais la mettre le lien. Ah, le lien. Ah oui, le lien, oui. On va demander le lien YouTube. Voilà, le lien. Voilà. Je vous mets le lien juste ici. Voilà. Et puis, voilà. Ça, c'est des mois de travail. Je vous garantis que j'ai un respect profond maintenant devant les gens qui ont un beau site web qui fonctionne. Ça fait maintenant des mois que Mélanie s'acharne, c'est principalement elle. Le site web. Mais il va sortir, il y aura plein d'informations dessus. Je pense qu'on devra moins souvent répéter les choses. Ce sera informatif, ce sera des sites plus complets. On va d'abord lancer en français une version, pas avec toutes les applications, puis ça va dérouler en allemand et en anglais. Voilà. Parce que oui, on est côté langue. Lou apprend le luxembourgeois, Mélanie parle de l'allemand, mais voilà, on essaye de s'appliquer. Voilà. Merci à tous. Merci. Votre temps de cerveau que nous avez prêté. J'espère que ça, vous avez appris quelque chose, que c'était clair. N'hésitez pas à faire des remarques. Merci beaucoup. Merci Paul. Et voilà, si vous avez des questions, soit prenez rendez-vous, maintenant c'est l'occasion. Si vous avez un feedback sur comment vous avez trouvé, n'hésitez pas non plus. Voilà, j'espère que c'est utile. Je pense qu'il faut vraiment voir qu'on parle de ces choses. C'est pas pour devenir riche, mais c'est pour vraiment aider. Et on aide tous les jours des gens. Et simplement, ça marche. Voilà. Mais c'est comme la loterie. Il faut acheter le ticket pour gagner. Si vous n'achetez pas de ticket, vous rentrez dans la chose. Toutes ces choses sont assez chères. Nos services ne sont pas donnés non plus. Mais parce qu'on se démène vraiment pour vous donner le meilleur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre attention, en tout cas. Ouais. Et j'espère à bientôt. Oui. D'accord, voilà. Si, encore une question. À bientôt, merci. Paul, tu as ce rendez-vous. Du moins, juste comme. Allez.